Ici, vous ne verrez pas d'auteurs masculins. Seules des femmes sont présentes à ce salon du livre qui s'est tenu tôt le week-end à Clermont-Créant. Une volonté du président de l'association organisatrice et qui n'est pas pour déplaire aux auteurs. Déjà, ça me fait plaisir qu'on reconnaisse que les femmes ont du talent. Et ce qui n'empêche pas que les hommes en ont aussi, c'est vrai. Mais comme dit notre président du salon, Jean-Jacques Glotin, il y a effectivement dans les salons beaucoup plus d'hommes que de femmes. Je pense qu'elles sont peut-être un petit peu moins connues. Et ça fait plaisir d'une journée comme ça consacrée juste aux dames qui écrivent. Pour l'organisateur, mettre les femmes à l'honneur lui tenait à cœur. L'événement est parrainé par une auteure sartoise, Nathalie Prince. Elles sont sous-représentées dans les salons. Elles représentent environ 20-25% de la population des auteurs dans les salons que je pratique, puisque je suis moi-même écrivain. Et là, j'ai voulu faire la part belle aux femmes, parce que dans la vie quotidienne et dans les salons, elles sont toujours malmenées. La grande majorité est très satisfaite. Je n'ai eu qu'une auteure qui me dit « Ah oui, mais qu'entre femmes, c'est pas si drôle que quand il y a des hommes. » Donc j'ai admis. C'est quelqu'un que je connais bien qui est à Angers, parce que je suis moi-même d'origine angevine. J'ai accepté qu'elle me refuse en disant « Je ne viendrai pas cette année parce qu'il n'y a pas d'hommes. » Jean-Jacques Glotin réfléchit déjà à la prochaine édition du Salon, pas forcément identique à cette année. Après avoir marqué le coup, il aimerait maintenant respecter une parité parfaite entre les auteurs hommes et femmes.